C'est reparti. On vient d'aller voler un petit peu avec le drone avec mon fils. Je vous mettrai quelques images dans la vidéo. Ça va descendre sur Hydrocamp. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder. Ah, sont interdits, on sait pas si c'est pour nous ou c'est sur l'autre côté. Tu restes bien à droite, Mathis, hein. Laisse passer les voitures. Allez, c'est parti. Thank you.
est quand même relativement ancienne. On la verra mieux en remontant. Là, on va la pousser jusqu'au musée du marbre. Et on va faire demi-tour. Carrière de la Vallée Heureuse sur ma gauche. On ne rentrera pas, mais on ira à l'entrée. Si je me souviens, c'était dans ce secteur-là, le musée du Marbre. Peut-être après, je sais pas. On va faire demi-tour bientôt là. Oui, oui. Il y a une grotte en dessous. Une grotte ? Oui, il y a une grotte en dessous où certains disent qu'ils auraient vu apparaître la Vierge un petit peu comme à Lourdes. Ah, le musée du Marbre. C'était ici, il me semble. C'est encore ici d'ailleurs. Ici, ouais. Non, apparemment non. Hein. La marbrière, non, à mon avis, c'est ça. Quoique, j'en sais rien. Je sais qu'ici, c'était un musée avant. Ça a tout l'air d'être devenu des appartements. On va rouler un petit peu quand même parce que dans ce coin-là, même si ça monte, ça y a des belles petites choses à voir. Ce serait dommage de les louper, d'être venu ici et de louper tout ça. On va se mettre sur la droite. Quelques petites falaises en marbre. Enfin, je ne sais pas si c'est du marbre. Mais bon, c'est les vestiges des anciennes carrières. On va continuer un petit peu. On va y aller après, Mathis. On peut pas rentrer. Donc on restera sous le côté. Voilà. Alors voilà cette fameuse grotte. Ici. Alors, maintenant c'est muré parce que c'était devenu une véritable déchetterie. Donc certains anciens disent que la Vierge sera apparue ici. Bon, maintenant ça reste à confirmer. Voilà. Donc, les grottes d'Hydrocan. Donc, on va traverser vite fait. Allez, Mathis, dépêche-toi. Donc, là, on ne va pas rentrer à l'intérieur parce que c'est interdit, c'est une propriété privée. On va simplement aller sur le bord. Voilà. La caméra est tout, hein. Donc, là, on va pas.
on ne va pas aller plus loin, c'est interdit. Hein, puis en plus c'est dangereux, il y a des camions. Après, c'est simplement pour vous montrer un petit peu l'entrée des marbres. Carrière de Boulonnais, vallée heureuse. Allez, nous sommes repartis. Là, on a un stop, vaut mieux le respecter parce qu'avec les poids lourds qui défilent, les voitures. Ouais, ça, ça n'est pas vu. Aucun poids lourd. Ah, là, c'est bon, on peut rouler. C'est vraiment un coin sympathique ici, hein, sur ce coin d'Hydrocan. Très boisé. Assez vallonneux. Alors le musée du marbre, si je me souviens, c'était quand même ici. Il faudra qu'on me le confirme. Là, il n'y a personne, je ne peux pas me renseigner. Dommage. Années. Et je crois que c'était en 1989 ou 99 peut-être, je me souviens plus trop bien. On était venu tourner avec des gens de chez France 3, local, lors du Téléthon. D'ailleurs, vous avez encore une pierre qui est sur les HLM qui sont à la place de la brasserie Adam. Donc cette pierre-là, j'avais été également la filmer avec la même équipe, parce qu'à cette époque-là, je tournais pas mal. Et on avait été la chercher justement dans les carrières du Boulonnais. Elle est gravée, alors regardez la date, je ne me souviens plus trop bien. J'ai pourtant pas Alzheimer, mais bon, presque. Alors à droite. Je ne sais pas où ça va, d'ailleurs, c'est en sens unique, donc c'est pas la peine d'y aller. Une maison en ruine sur la gauche, vous l'avez vu, non? Ouais, ça devrait être là. Ça beau être sympa, ça beau être un beau coin, mais ça roule vite quand même. Alors, service administratif, la vallée heureuse, bon c'est pareil, on n'y va pas, c'est interdit. Voilà. Alors les gens du coin qui vont regarder cette vidéo, ils vont me dire encore une fois, oh non, c'est pas possible. Ils nous représentent notre taf. Alors ça, c'est l'usine que je vous parlais tout à l'heure. Alors je ne sais pas franchement ce que c'était. Et si quelqu'un a des renseignements là-dessus, ce serait sympa de nous les donner. Ouais.
Alors de retour dans Drocan, le centre. Ça peut être bruyant ces petits machins là. C'est infernal. Mais bon, c'est la jeunesse. Donc pour boucler notre petit tour de Drocan, on va quand même aller à droite avant de remonter sur un centre. Je connais pas bien, hein, je connais pas toutes les rues, donc désolé si j'en oublie. C'est un beau petit village complètement blotti au sein des collines, c'est quand même assez sympa je trouve. Hein. On a une belle région. Hein. On a une belle petite région. Un petit chemin, je sais pas où ça mène. Oh ben, je vais pas aller trop loin, je vais faire demi-tour. Ah si, je connais cette maison. C'était un ami qui habitait il y a longtemps. Là, on verra mieux. On a un petit cours d'eau ici. Je me demande si c'est pas le Cambreux qui passe justement dans le parc Adam de Marquise. Je me le demande,